Au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, des entreprises ont créé 5 424 emplois. L'exécution du budget, au terme de l'année 2021, est ressortie à 8 517,5 milliards FCFA de ressources mobilisées. 437 entreprises ont obtenu un avis favorable, au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre de l'année 2021, pour bénéficier des dispositions du Code des investissements pour un montant total des investissements estimé à 1 373,7 milliards FCFA et des prévisions de création d'emplois permanents, évaluées à 15 969 postes. Code des investissements au cours de cette période, 150 entreprises ont effectivement réalisé leurs investissements à 585,9 milliards FCFA contre 602,5 milliards FCFA projetés, soit 97,24% de réalisation. Ces entreprises ont créé 5424 emplois contre 6080 emplois initialement prévus, soit 89,21% de réalisation. Les entreprises ont créé 5424 emplois contre 6080 emplois initialement prévus, soit 89,21% de réalisation. L'exécution du budget, au terme de l'année 2021, ressort à 8 517,5 milliards FCFA de ressources mobilisées, pour une prévision de 7 602 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de 112%. Lire aussi Côte d'Ivoire / exécution du budget 2020, Moussa Sanogo annonce des évaluations. Ces réalisations comprennent 4 738,3 milliards FCFA de recettes budgétaires et 3 779,2 milliards FCFA de ressources de trésorerie. Les recettes fiscales, notamment, ont été recouvrées à hauteur de 4 423,4 milliards FCFA en 2021, avec un écart positif de 382,4 milliards FCFA par rapport à l'objectif de 4 041 milliards FCFA. Dépenses liées à la Covid-19. Les dépenses ont été exécutées à hauteur de 8 347 milliards FCFA pour une prévision de 8 027,9 milliards FCFA, soit un taux d'exécution de 104%, à fin décembre 2021. Les dépenses liées à la gestion de la Covid-19 se situent à 513,9 milliards FCFA. Les dépenses d'investissement, notamment, sont ressorties à 2 161,9 milliards FCFA contre une prévision de 2 114,5 milliards FCFA, soit un taux d'exécution de 102,2%. Ces dépenses ont été financées à 56,9% sur les ressources intérieures et 43,1% sur les ressources extérieures. Les dépenses liées à la gestion de la Covid-19 se situent à 513,9 milliards FCFA, en lien avec la mise en œuvre du plan de soutien économique, social et humanitaire et du plan de riposte sanitaire. Lire aussi Fonds de soutien Covid, 110 milliards FCFA alloués aux PME et grandes entreprises en 2021. Globalement, l'exécution du budget à fin décembre 2021 est caractérisée par un niveau satisfaisant de mobilisation des recettes, notamment les recettes fiscales, qui ont enregistré une bonne performance. Elle est également marquée par un renforcement des dépenses de sécurité, des dépenses de lutte contre la propagation de la Covid-19 et de ses variants, ainsi que des dépenses d'investissement, en lien avec la mise en œuvre du Plan National de Développement, PND, 2021 à 2025.